Salut les gars, c'est Dino Oliveira, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super bien, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 ou 19, je me souviens plus, j'en ai tellement fait, sur la carrière YouTube. On a deux matchs à faire, un contre le FC Nantes et un contre l'En Avant Guingamp. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Peut-être qu'on va sortir Didier Capel. Parce que n'oubliez pas qu'on a, on a aussi le rapport d'équipe et le rapport mensuel des jeunes du centre de formation. On va enfin avoir le boost de certains. Aussi, je vais, à partir de maintenant, je vais jouer en 3-4-3. Parce qu'on me l'a demandé. Et puis, moi, en même temps, ça va me permettre de me familiariser avec, avec ce mode. Parce que je dois vous avouer que le 3-4-3, j'ai jamais, enfin, j'ai jamais essayé. Donc, bon, c'est l'occasion d'essayer, hein. Alors, je vais juste remplacer ça. Alors, par contre, je suis comme ça, mais bon. Ouais, on va rester comme ça, de toute façon, c'est bon, hein, j'ai envie de dire. Hop. Alors. Putain, autant dire que au milieu, ça va passer direct, hein. Par contre, sur les côtés, ce sera un petit peu plus galère, mais bon. Au milieu, normalement, ça passe tranquille. Donc, on va commencer tout de suite contre le FC Nantes. Alors, on m'avait demandé de faire jouer. Putain, j'avais la liste. Je me souviens qu'il y avait Kevin Le Bihan. Alors, attendez, je vais ressortir la liste. Hop. Alors, il y a Le Bihan, il y a Waris, il y a Martial et il y a Oppa Nguette. Donc, je vais garder la liste à côté de moi. Alors, là, je ne sais pas qui on va faire jouer. Je pense qu'on va faire jouer Waris, c'est déjà pas mal. On va faire jouer Le Bihan parce que Steven s'y est crevé. Ici, qui est-ce qu'on va faire jouer? Ils sont pas en forme. Ils sont un petit peu tous crevés. En défenseur central, on va faire jouer Medjani. Là, on va faire jouer Paul Chariot. Kevin Le Bihan, je peux pas le remplacer. Et sinon, il y a qui? Oppa Nguette. Je vais faire jouer Oppa Nguette en ailier gauche. Quoique non, et Masuaku, il est. Masuaku. Il me manquera Martial et Nguette. Donc Martial et Nguette viendront pour le prochain match. Allez. Par contre, je vais peut-être remplacer quelques joueurs parce que. Il y en a qui sont vraiment crevés. Je vais prendre Kenny Lala aussi. Je vais remplacer. Pardon. Je suis encore malade. J'arrête pas de toute façon. En fait, c'est la même maladie que depuis 2 semaines. Hein. Je sais. En même temps, je me soigne pas. Hein. Donc on était parti avec l'équipe. J'ai pas pensé à vous donner le nom de l'équipe, hein. Enfin les noms que j'ai retenus dans l'équipe, hein. Je suis désolé, mais bon, je pense que vous aurez vu. Hop, c'est parti Bonjour pour tous, merci à vous de la nous accueillir. C'est 30e un match journée, je de crois, Ligue de 1 Ligue qui 1, nous ou attend et j'aurai le 31e. plaisir de vous Non, on commenter est plus avec que ça. Franck Sauzet. On est à combien?
pour cette rencontre. Nous allons suivre l'opposition. Je sais même plus à quelle journée on est. De toute façon, on va le voir ici. C'est qu'elle aborde la phase la plus délicate de ce championnat. Donc, aujourd'hui, on va faire sortir Didier Capel. Je sais pas qui d'autre on pourrait faire sortir, mais bon. Après, pour le reste, on verra bien. Je vais voir déjà qui je peux faire sortir à part Didier Capel. Si je peux en faire sortir un deuxième, j'en ferai sortir un deuxième. Sinon, bah, tant pis, hein, on verra. Ça va, je suis premier, toujours. Donc voilà, c'est mon équipe là. Ça va, elle est quand même bien. Hein. Bon, ça va être assez chaud de faire mieux que l'épisode précédent. Où j'ai quand même mis 19 buts. Hein, ni respect le plus total. Et là, ça va être l'occasion de tester le 3-4-3. Il vient en contact. Ouais, j'allais dire, mon joueur, il tombe tout seul. Papé Camara. Ouh! C'est bon, j'ai sauvé la touche! Et la voilà, la frappe! Il est venu faire le ménage. Il est à la récupération au milieu de terrain. Hop. Alors, sinon, il y a quoi que je voulais dire? Oui, il y a. J'ai un souci avec ma caméra pour faire les reprises de. Les reprises de chansons. Du coup, je ne pourrais pas faire les reprises comme je le voudrais. Donc. Là, ce que je fais pour le moment, c'est que j'essaye de trouver un nouveau moyen. Contre ce centre. Et ah oui, c'est le danger, la si j'en trouve un, je continuerai les reprises. Oh, il s'en est fallu de peu, là. Je continuerai les reprises et puis je verrai bien. Je verrai bien quand est-ce que je pourrais sortir ça. Sachant que. Dans quelques temps, je ne serai plus vraiment disponible pendant quelques temps parce que je passerai le permis tout simplement. Je serai sûrement très occupé à ça. Ouais, il est le premier sur cette passe. Bon, on va quand même essayer d'en mettre un. Monsieur l'arbitre, putain! Putain, mais c'est quoi ça, monsieur l'arbitre? Arbitre payé ou arbitre payé, hein? Oh, il a du soutien, oh, ça peut aller au bout. Ouais. Oh, un joli centre, ça peut aller au bout. Qui dégage loin devant. Bah, dégage toi. Ouais, elle est bien partie cette fois. Oui! Génial, bravo. Si les buts auraient fait 50 mètres, peut-être que tu l'aurais mise au fond. Bon, en même temps, là, j'ai une équipe pas... Enfin, c'est un petit peu une équipe B, mais bon. Puis en plus de ça, je suis en train de tester un nouveau système. Donc, je suis pas très... je suis pas forcément à l'aise avec ce système-là. Ça s'approche. Olivier Vigneault. Putain. Et le ballon qui est perdu, attention, ils peuvent la récupérer. Blin. Et ce ballon qui file en sortie de but. Hush. Ben, fonce, Waris. Oh, c'est parti. Ouais, putain. Quel arrêt sur ce missile.
Formidable. Eh, hey, t'as cru que tu t'allais concéder à la touche, toi? Oh, oui, bien vu la passe. Oh, mais bordel! Eh, hey, ils sont combien en défense, ces canaris, là, ces poussins, là? Ils sont combien en défense? Non, parce que là, attends, 1, 2, 3, 4, 5... Ils sont au moins 10, là! Ils sont au moins 10 sur les 11! Putain, c'est pas possible! Où est-ce que tu veux que je passe? Franchement! Où veux-tu que je passe? Par là! Putain, eh, hey, je vais les défoncer. C'était un corner. Hop. Bon, c'est un centre à mi-hauteur dans la surface. Bah allez, quoi. Ah bah si si je galère autant avec le 3-4-3, autant vous dire tout de suite, les gars, je me remets en 4-5-1. Hein. Ah non, parce que là, c'est limite de la merde. Enfin, de la merde. Si, c'est de la merde. Bon, en défense, ça va, mais... La défense qui récupère. En attaque, c'est pas top, hein. Ouais, beau duel en perspective. Gakpé. Ah non, mais quoi? Putain, j'ai cru que j'avais fait une faute. Une première période où rien n'est fait pour le moment. Bon. Les équipes sont au coude à coude, et le suspense reste entier pour la seconde période. Mais bah putain. Première période, nullissime. Et je pèse pas mes mots. On va prendre Kenny Lala, on va le mettre à la place de Liesouri. On verra bien s'il peut apporter quelque chose de neuf. En tout cas, pour le moment, comme je l'ai dit, hein, le 3-4-3, franchement, là, je le trouve vraiment pas top, hein, pour l'instant. Donc, on verra. On verra si si c'est juste à cause de... parce que c'est une équipe bis ou parce que... Enfin, j'en sais rien. Hop. Oh, elle trouve son partenaire sur cette talonnade. Mais vas-y, va te faire mettre. Gakpé. Mais arrête-le, bouffon. Mais Gianni, là, qu'est-ce que tu fous? Et le ballon qui change de camp. Hop. Magnifique. Vas-y, le bilan, t'es tout seul. Oh, il est passé. Oh, le tir. Putain, t'es tout seul et t'arrives à te louper, quoi. Je te sors. J'en ai rien à foutre, je te sors. Tu dégages. Fous le camp. Joli coup de poker de l'entraîneur qui voit bien que son équipe n'arrive pas. Voilà. Fous le camp. J'en ai rien à foutre. T'avais qu'à faire un bon match. Kenyala. Bon, je la récupère. Voilà, je mais allez. Mais c'est qui leur gardien là? C'est Chuck Norris encore une fois? Et non, il ne donnera pas l'avantage à son équipe sur cette action. Ils vont pas me saouler. Mon joueur, il était par terre tout seul peut-être là. Tiens, ça suffit pas. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Ouais, l'arbitre... Quoi? Comment ça, il y a faute? Je vais le tacler, là, l'arbitre. On peut tacler l'arbitre? J'ai jamais essayé. Est-ce qu'on peut tacler l'arbitre? Ne serait-ce qu'une seule fois, juste comme ça, pour le LOL. Là, monsieur l'arbitre, putain, mon joueur, il est par terre, bordel! C'est vraiment un arbitre payé, hein. Visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Elle s'avance vers la surface. Alors vous qui êtes tout près du joueur, vous pouvez nous en dire plus. Alors en plus c'est Waris. C'est peut-être le genou qui a tourné un peu, mais Gakpé.
Bon, eh bah Waris, tu vas. C'était ta place, hein? Bah, à Martial, hein. À Martial, tu vas céder ta place. Une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Putain, c'est vraiment nul, hein, franchement. Ah, il va y avoir des changements de part et d'autre. Là, franchement, les gars, pour le moment, je trouve ça. Le 3-4-3, je trouve ça nul. Je le dis tel que je le pense. Parce que là, pour le moment, je fais que dalle. Mais putain, mais! Mais monsieur arbitre, bordel! Mais c'est peut-être Arbitre payé! Mais putain, mais d'arbitre payé, quoi! Non, mais là, c'est. Enfin, je suis désolé si je gueule trop, mais franchement, faut arrêter là! Ouais, je suis hors jeu! ça peut peut-être aller au bout. Putain! En Hors plus, jeu, je elle est fais de la partie beaucoup merde. trop tôt. Bon, on repasse dans un style que j'aime bien. Ok, il n'y en a aucun qui me va là-dedans. Bon, bah, on n'a qu'à faire comme ça, hein? On n'a qu'à faire comme ça. Et puis, je vais mettre. Hop. Hop. Voilà. Ici. Là. Là. Donc, bah, Doumbia, ce sera le milieu offensif. Hein. Hop, voilà. Où le ballon a été En donné trop 4-4-2, tard. on va voir ce que ça donne. Parce que là, franchement, je faisais de la merde. Et sorti de but donc. Hop. Bakoto. Vas-y, fonce! Incroyable but maintenant. Oh, quel joli coup! Donc voilà, le 4-4-2, ça fonctionne. L'entraîneur adore quand il se passe ce genre de choses. Le remplaçant qui marque, tout le monde dit, bon coaching. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Donc c'est ce que je dis, le Gomis. 3-4-3, c'est pas pour moi, apparemment. Parce que là, j'ai mis un but direct, hein, Remplaçant finalement. débutant pour l'équipe visiteuse. On va réessayer le 3-4-3 pour le prochain match, mais franchement, les gars. Fenio. Après, c'est peut-être parce que je suis pas habitué, j'en sais rien, mais. Ah ouais, le gardien qui va pouvoir Franchement, bouger. je trouve ça nul. Ou alors, Attention c'est au pas pour changement. mon, enfin, c'est pas pour Peut-être mon a-t-il style de enfin jeu, j'ai trouvé envie de la dire. solution tactique face à cet adversaire. Moi, j'ai pas trop un style de jeu. Donc il est important ce ballon, Enfin, qu'il est j'ai un important. style de jeu Lui ne assez s'y trompe bourrin, pas mais. d'ailleurs, il pousse dans ses dernières minutes, il peut y avoir le feu. Elle est Pas devenue non la plus à dominante. mettre 4 Une bonne attaquants, hein. intégration sur cette interception. Déjà, Oui, Lucado. moi je trouve qu'un seul attaquant c'est suffisant. Enfin, un seul buteur c'est suffisant. Alors, bon. Le maximum que j'ai fait en Bakoto. attaque c'est 2, en fait. J'ai jamais fait Ouais, un. c'est peut-être une des Si, j'ai dernières fait un occasions. 4-3-3 une Ouais, elle est fois, bien mais partie cette bon. frappe. Oh, le sauvetage du Pas gardien. 2-3-4-3. Essaie bien conserver ce ballon dans les bras. Oui, je sais, je suis hors jeu. Va te faire foutre. L'arbitre a Va te sifflé faire hors jeu. foutre. Rémi Gomis. Vas-y, fonce, Doumbia. Il vient en marque. Oh, Oui! attention! Oui! C'est ça qui est Appuie sur bon! cette action et il confirme qu'il ne faut pas le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'une minute. Oh, très belle action. On sent son expérience et sa classe. Ouais, deux buts à rien, il domine les débats. Voilà!
Donc 2-0. Bah franchement, si je serais pas passé en 4-4-2, je les aurais pas mis, je crois. Hein. Je pense que je les aurais pas mis. Mais bon, faudra que je regarde. Faudra que je regarde si on peut faire. Enfin, si on peut s'améliorer pour le 3-4-3. Si je peux m'améliorer en off ou quoi, on verra. On verra. Bon, en tout cas, l'arbitre, il était bien payé, hein, par contre. Hein. Joueur blessé, Abdulmajid Waris, entorse du genou, il sera indisponible pendant 3 semaines. Ok, 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 ok. Donc, autant dire qu'il sera indisponible jusqu'à la fin du truc, quoi. Autant dire ça comme ça. Du coup, c'est Pujol qui va prendre sa place ici. Bon, bah, les gars, Waris s'est blessé. Du coup, moi qui voulais que ce soit certainement le joueur qui marquerait le plus de buts avec le VAFC, ce sera pas possible malheureusement parce que déjà il n'était pas premier et puis avec son truc, ouais voilà, limite faudrait que moi je puisse marquer, mais bon. À part moi, il y aura personne, je pense, qui pourra rejoindre. Si je fais jouer Martial, il est combien, Martial? Il est 17e avec 10 buts. Il lui faudrait 9 buts minimum. 9 buts Ouais. Easy. Alors. Conférence de presse. Qu'est-ce qu'il fallait que je regarde? Oui, je suis toujours comme ça. Alors, dans les jeunes, je vais faire sortir donc Didier Capel. Enweke Amidou, Amidou, le nom est marin. Et Awushi Danka. Ouais. Mon avis, ce sera Enweke Amidou que je ferai sortir. Ensuite, il y a Pablo Acosta. Non, je le ferai pas sortir maintenant. De toute façon, il y a que 15 ans. Pablo Ayala, je sais pas encore si je vais le faire sortir maintenant ou plus tard. Je pense que je vais le faire sortir dans cet épisode, Pablo Ayala. Je le ferai sortir en même temps que Didier Capel. Mais bon, pour Pablo Ayala, j'ai pas trop... Enfin, ce sera un milieu central gauche, quoi. Parce que il peut pas être milieu défensif, lui, c'est pas possible. Donc, on joue le match contre l'En Avant Guingamp. Alors, hop, hop. Gestion d'équipe. Alors, on va faire jouer. Hop. On va faire jouer Rudy Mater, Yoris Neri. En milieu central droit, on va faire jouer j'en sais rien, Thiago Mendes. Tintintintin. En milieu central, on va faire jouer, j'en sais rien, du Courtiou. Quoi? Pourquoi faire jouer du Courtiou, bordel?
Et ensuite, ben, Martial, c'est bon. Nbakoto va laisser sa place à Babak. Et Nget, il va prendre la place de Masuaku. Et je pense que c'est bon. On va prendre Yes Ori à la place de Bakoto et Kenny Lala à la place de Masuaku. Et je pense que ce sera bon. Voilà, c'est l'équipe. Macedo Novaes, Rudy Mater, Yves-Marie Kergeon, Lloris Nery. Ensuite, Camara, Thiago Mendes, Ducourtiou, Stevens. Et en attaque, Buck, Martial et Opa Nguette. Et en remplacement, j'ai Chariot, Rose, Kevin Le Bihan, Lies Oury, Kenny Lala, Elogène Zayamissi et Grégory Poujol. Et on commence le match! Alors, concernant le dernier. Enfin, le dernier. Concernant les derniers épisodes de cette saison-là, je pense que ce sera toujours. Enfin, ce sera maintenant toujours deux matchs par épisode jusqu'à la fin de la saison. Mais après, il se peut par exemple que pour l'épisode 20, je Bonjour à fasse un truc tous, bienvenue spécial et en Ligue 1, que, par nouvelle journée exemple, de championnat au je fasse programme. 4 matchs. J'en sais rien. À l'affiche, Je dis toujours ça comme position ça, entre mais l'An avant Guingamp bon, et le FC on Valenciennes. verra. Si je fais un truc de spécial, ce serait certainement 4 matchs ou au moins 3. Et je ferai sortir certains joueurs. Bon, n'empêche que c'est mon joueur qui a fait le plus grand bien au FC Valenciennes, hein, j'ai envie de dire, quand même. Parce que si t'enlèves si t'enlèves Voiris et mon joueur, finalement au FC Valenciennes, il y avait. Ah, il n'y a qu'à voir le classement des buteurs, hein. Au FC Valenciennes, il n'y aurait pas eu grand monde en buteur, hein. Donc je joue en 3-4-3 encore avec Yves-Marie Kergeon seul en défenseur central. J'espère qu'il va pas trop se faire déborder parce que bon. Certes, il est bon, mais il y a quand même des limites. Ça y est, c'est parti. Allez, go! Ah, ça passe qui sort en touche finalement. Pape Camara. Vas-y, Kerjan! Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Le mec, il va galérer. Blam! Oh, il n'a rien Le lâché mec, il sur va cette galérer interception. Bien déjà joué. à passer le premier rideau, tu sais. Claudio Beauvu. Sans carré. Un ballon perdu. Loupé, c'est con, hein? Us! Bon arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Il était bien parti. Ouais, bonne circulation du ballon. Taylor. La frappe! Et le gardien qui ne s'est pas laissé surprendre par cette frappe lourde. Mais donne-moi cette balle. Attends, son carré, qu'est-ce qu'il fout là? Sans carré. C'est pas censé être un. Ah non, c'est Yata Barré, le buteur. Kerjan qui se livre carrément, tu sais. Et la voilà. Putain! Attention, le ballon Saloperie de revient. poteau! Faut vraiment Sans la lutte. faut vraiment changer les règles de ce jeu, hein. Faut enlever les poteaux, je suis désolé. Retour dans l'axe. Attention, il y a danger. Un bon pressing du défenseur. Matisse. Merci. Bye bye. Bah, mec, te loupe pas! Oh, c'est parti. Bravo! Passe à Bien côté. joué! Franchement, bien joué, hein. Bah, mec,
t'es le roi, franchement. Ne change rien à ton style de jeu, ce sera comme ça que tu deviendras encore plus pourri. L'irrespect de cet homme. Hus, hus. Loupé. Interception, c'est impeccable. Et merde. Yago Mendes. Bon, pour le moment, j'ai pas encore vu du Courtiou, hein. Ah bah, il est là. Il perd le ballon. Matisse. Eh, y'a pas, hein, regardez. Regardez, les gars. Je suis toujours à 0-0. Je suis en 3-4-3, les gars. En 3-4-3, j'y arrive pas. C'est ça, j'y arrive pas en 3-4-3. En 3-4-3, je trouve. Enfin, c'est. J'en sais rien, j'y arrive pas. Tandis qu'en 4-4-2, j'y arrivais. Bon jaillissement sur cette passe. Je suis sûr, je vais changer de. Je vais me mettre en 4-4-2 après. Je suis sûr, je vais réussir à mettre des buts. Martins Pereira. Rachid Ayoui. Hus. Yves-Marie Kerjean. Vas-y. Taylor. Bye bye. Putain, mais... C'est bien joué. C'était ouvert le chemin du but. Monsieur l'arbitre, si vous pouviez arrêter d'être aveugle sur les tacles que font mes adversaires, s'il vous plaît, et arrêter de me mettre des cartons quand moi je fais des tacles. Taylor. Ce serait sympa. J'étais hors jeu. Mais j'étais même pas hors jeu, bordel! Vas-y, mais c'est quoi ça? Putain, en plus, je l'avais mis! J'étais même pas hors jeu! Putain! Rachid Ayoui. Arbitre payé! Arbitre payé! On s'approche. Blin! Bien joué du Courtiou! On jouera 2 minutes de temps additionnel. Hus! Regarde-moi ça! Le mec, c'est n'importe quoi. Une faute sur ce tacle glissé. Le ralenti montre bien le mauvais timing sur cette intervention. Oui, le mec, il tombe même pas. Il tombe même pas. Je tacle derrière alors que je tacle pas sur le mec. Mais bon, à part ça, je suis dans le mauvais timing, hein. Bon bah 0-0, hein. Je vais me remettre en 4-4-2. Ou au moins en 4-5-1. Il reste 45 minutes là pour essayer de se sortir de l'impasse. Hop, dispositif. Il est où mon 4-5-1? C'est pas celui-là. Je l'ai plus mon 4-5-1. Mais il est passé où? Il est parti. Tant pis, je me mets comme ça, hein, YOLO. YOLO strat. Hop. Et dans ce cas-là. Hop. Bah, tu te mets là. Toi, tu viens en milieu gauche. Toi, Martial, tu vas en buteur. Voilà. Ça, c'est bon. Oh merde. Bon, bah, du Courtiou, tu vas laisser ta place à Lindsay Rose. Et hop, comme ça. Alors, pas de jaloux. Voilà. Je me remets en milieu, en 4-5-1, de l'irrespect. Il va y avoir des changements de part et d'autre. Et je sais pas pourquoi, je sens que je vais marquer. Et c'est reparti pour 45 minutes. Taylor. Rodimater. Merde. Mais bon, je suis pas hors jeu. Oh putain. Dommage. Hop. Open gate. Hus. Oh la jolie frappe.
Oh, ça c'était beau, c'était joli. Donc c'est ce que je disais les gars, le 3-4-3, désolé mais c'est pas pour moi. Donc faudra sûrement que je trouve autre chose pour mes joueurs. Sûrement un 4-4-2 que je ferai, mais bon. Très belle action, on sent son expérience et sa classe. Voilà, après cette ouverture du score, on verra. Mandane. Thibaut Gires. Donc voilà, vous avez pu voir que le 3-4-3, bah. Ah, bien joué le défenseur. Je suis nul avec. Le contrôle parfait. Et il stoppe l'attaque. Open gate. Mais. Bon. Qui c'est qu'on remplace? J'ai bien envie de remplacer Martial déjà. Je vais mettre Pujol. Et Nzayam ici. Je vais le mettre à la place de Thiago Mendes, je pense. Le prochain arrêt de jeu. Blah, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Mon joueur, il tombe tout seul, les gars. Il concède la touche tout seul. Et l'entraîneur qui procède actuellement à deux changements. Ouais, comme ça, les changements, c'est fait. Baybek. Baybek Camara. Pujol. Mais quoi, j'étais hors jeu. Montre-moi ce que j'étais hors jeu. Montre-moi. Est-ce que pour vous, j'étais hors jeu, moi? Enfin, il y a un de mes joueurs, j'avoue, il était hors jeu. Mais c'était pas lui qui récupérait la balle. Donc, ouais, bonne abnégation sur cette interception. Tu vas arrêter d'être irrespectueux, s'il te plaît, hein? Sans carré. Hop là, merci. Taylor. Saloperie de mauvais contrôle de merde. Matisse. Mauvais contrôle dans ce jeu sont strictement abusés. Oh, loupé. Bah ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Thibaut Gires. C'est bon, je récupère. Je récupère. Taylor. Je fonce. Monsieur l'arbitre, bordel, monsieur l'arbitre. Sans carré. Mais je vais lui acheter des lunettes à cet arbitre de merde. Ouais, ça s'arrête là, bien joué. Mandane. Je vais lui acheter des lunettes et je vais lui rapprendre les règles du jeu, hein. On va revenir à la faute. Ouais, l'arbitre qui sort. Vas-y, dis-moi en quoi ça vaut un jaune. Ça me semble évident, hein, sur ce tacle glissé, le joueur s'est un peu laissé emporter. J'ai juste fait le coup de la cisaille. Cherche pas, tu l'auras pas. C'est une belle occasion qui s'envole. Ouais, et je pensais au moins qu'il aurait cadré le ballon. Le gardien qui lève les bras en voyant ce ballon filer au-dessus. Le ballon a pris la hauteur un peu trop. Hop là. Sans carré. Allez, peut-être une bonne occasion. On récupère. Ça c'était nul. Au milieu de terrain. Thibaut Gires. Merci. Pujol. Putain, mais Pujol, quoi. Sorti de but. Si t'adresses des passes, les fais pas fort, boulet. Sorbonne. Une, deux. Thibaut Gires. Mais va la chercher, bordel, Edget. L'équipe à domicile. Boulet. Il devrait bientôt effectuer un changement. Fuck. Oh, la lutte est âpre, hein, pour reprendre ce ballon. Gergent, tu peux l'avoir. Tu l'as. En plus, je la récupère. Génial. Le Camara. Non, monsieur l'arbitre, bordel. Sérieusement. Marie Gergent.
Qui a déjà vu un arbitre comme ça qui... qui sait pas arbitrer, tout simplement. Pfff. En quoi j'étais hors jeu, bordel? Je suis même pas hors jeu! Au moment où je tire le truc, je suis pas hors jeu. Oh, aïe. Je te jure, n'importe quoi. Et voilà, le match qui se termine donc sur cette courte victoire. Bon bah 1-0. Qu'avez-vous pensé de ce match, Franck ? 7,2. OK, bah voilà. Voilà. Sur la qualité défensive. Bon bah deux matchs à oublier, hein. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc également. Ça aussi, ça a oublié. Donc, du coup, je vais remettre... Il est où ? Lindsay Rose. Et Papadou Camara. Je vais remettre en milieu défensif. Là, hop. Ici, on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Et toi, tu viens... Quoique j'étais bien hein, en attaquant. Hop. Et donc bien, on va le mettre à la place de Yamissi. Voilà. Parce que je trouve que c'est mieux. Comme je l'ai dit, le 3-4-3, c'est pas pour moi. Alors on va simuler jusqu'à cette date. Voilà. On va sauvegarder, évidemment. Ah, contre l'AS Monaco, j'avais zappé. Alors, contre l'AS Monaco... Ah ouais. On voit la différence, hein. Les seuls que j'ai, c'est un 77, 82, 89. Ouais, on voit la différence quand même. Oui, donc... Non, c'est pas ça, mon précieux. Alors, Didier Capel proposait un contrat. Merde, mais tu vas la fermer déjà, hein. Hop, je lui propose 2000. Joueur de rotation d'effectifs, je pense. Didier Capel, c'est bon. Donc là, je sauvegarde. Carrière YouTube. Et là, ça va être le jeudi 1. Padadadam. S'il veut bien arrêter sa simulation, évidemment. Rapport mensuel. Pa-da-pa-pain. Ouais, Andrés Ramos, il va devenir bon. Lui, c'est pareil. Darnell Rose, bon, c'est Darnell Rose. Didier Capel, ça va. Ouais, ça va dans l'ensemble, hein. Ils ont tous assez bien augmenté, à part Pablo Acosta, ouais. Bon, Pablo Acosta, en même temps, ce sera un remplaçant, donc j'en ai un petit peu rien à foutre. Ouais, je suis content de ce... Je suis content.
Donc on va faire sortir Pablo Ayala. Proposer contrat. Hop, 2000 également. Et ce sera titulaire occasionnel pour l'instant. Donc là, j'enlève ça. Je regarde le rapport d'équipe. Et en même temps, je vais vous dire qui il y a dans l'équipe. Alors, il y a Macedo Noves, Jean-Philippe Gbamin, Yves-Marie Cargan, Seilou 6, qui a augmenté d'un point, Lince Rose. Pourquoi il est là, lui? Bon, je le changerai. Papabdou Camara, qui a augmenté d'un point, Yenia Ngbakoto, Fouka Arthur Masuaku, Kevin Le Bihan, Geoffrey Stevens, qui a augmenté d'un point. Pam, pam, pam. Donc lui, ça fait, il a augmenté de 5 points là pour le moment. Il a augmenté de 5 points. Anthony Martial qui n'a pas augmenté. Tongo Doumbia. Rudy Mater. Thiago Mendes. Opa Nguet. Paul Chariot. Jean-Christophe Babuck. Grégory Poujol qui a baissé d'un point. Mais bon, lui... il raccroche les crampons, donc je m'en fous un peu. Lies Ori qui a augmenté d'un point, je crois, j'en sais rien. Je sais plus. Bon, là, pour le moment, il a augmenté de 4 points, lui. Hein. Kenny Lala. Lioris Neri. Majid Waris, non, il sera pas là. Karl Medjani. Elogène Zayam ici. David Ducourtiou. Et c'est tout, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Rose est en défenseur gauche, donc on va vite le remplacer. Hop, on va mettre là. Alors, on va sauvegarder. Pourquoi je sauvegarde? Parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive la même tuile qu'avec Kevin Le Bihan. Et aussi et surtout, j'ai envie que qu'il ait le statut peut devenir spécial. Au moins pour Capel. Capel, accepté. Australie, je dégage. Alors, Didier Capel. Donc, vous aurez également Didier Capel dans l'équipe. Peut devenir spécial, parfait. 63 de général. Donc... Didier Capel, je pense que je le ferai jouer de toute manière contre les autres. Je le ferai jouer de toute façon. On va juste changer les rôles des joueurs. Ça va être Stevens qui est le nouveau. Le nouveau... Nouveau capitaine, voilà. Je cherche mes mots. Donc pour le moment, on va jouer comme ça en 4-4-2. Sachant que je regarderai. Je regarderai pour voir si on peut faire quelque chose. Si on peut faire quelque chose par rapport au. Par rapport à ça, parce que si dans ce cas-là, je suis en 4-4-2, j'ai pas besoin de buteur. Donc, vu que je serai avec Darnell Rose et Sergio Moreno. Donc, bon, on verra ça plus tard. Donc, bah, désolé pour le 3-4-3, je vous l'ai dit, ce n'est pas pour moi. Donc, on restera en 4-4-2. Pour l'instant, si ça ne change pas, parce que bon, finalement j'ai trouvé deux bons défenseurs centraux. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Pour le 4-4-2, je changerai quelques petites choses encore en off. Sur ce, prenez soin de vous, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut !